Eh bien, bonjour à tous, c'est Néo, j'espère que vous allez bien ce soir. En fait, j'ai aucune idée de quand vous allez regarder cette vidéo. On se retrouve pour un petit live commentary, un petit live simplement sur Battlefield 4 en mode domination. Je me suis dit, allez go, on va faire un petit live histoire de s'amuser, prendre du plaisir sur le jeu. J'ai pas grand chose de spécial à dire, si ce n'est que je vais peut-être d'abord spawn ou alors peut-être trouver une meilleure escouade. Voilà, celle-là, ça va être mieux déjà. Alors, je vais jouer à la SAR 21, avec l'équipement que vous pourrez retrouver ici, c'est-à-dire un coyote en viseur, un viseur laser, un canon lourd et une poignée. Alors j'ai mis le canon lourd histoire de mettre un peu plus de précision sur mon arme parce que je trouve qu'elle a trop de recul horizontal. Du coup je mets un canon lourd pour augmenter ma précision. Et voilà, je vous propose bien tout simplement de nous en aller. Je vais prendre un 9-3R. Allez hop, avec un petit viseur laser, ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme joli truc? Voilà, ça c'est bien. Du coup, le temps que je choisisse tout, eh bien, la partie est déjà finie. Non, je rigole. Allez, on va spawn quand même, histoire de faire du point et d'aider mon équipe. Et de faire du kill surtout. J'ai juste une chose à vous dire. C'est que le week-end prochain, alors excusez-moi, je suis en live, hein. Je vais avoir du mal à jouer et parler en même temps, vous le savez. Alors pour ceux qui me connaissent déjà depuis un bout de temps, vous le savez sûrement. Je suis pas un gros pro du live. Oh merde, j'aurais dû le réanimer lui. Du live commentary. Oh, Battle Pack, ouais, c'est super. Je suis pas un gros pro du live commentary, il y en a plein qui font ça mieux que moi. Mais voilà, je veux simplement envie de me réessayer à ce format. Il y a du monde là. Ouais, ma grenade a touché, lui il est déjà mort. Tirer sur un cadavre, c'est dégueulasse. Ben voilà. Donc, chose que je voulais vous dire, vu que maintenant je suis mort, c'est que je serai ce week-end, c'est-à-dire le week-end du 30 novembre et 1er décembre, si je ne me trompe pas dans les dates. Il me semble qu'il y a un 30 novembre et pas un 31. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc il y a bien 30 jours dans le mois de novembre. Si vous me voyez, en fait, je suis en train de compter mes doigts. Voilà, c'est super. je serai donc ce week-end du 30 novembre au 1er décembre. Alors, c'est pas au Pyro HQ de Pyrogène. C'est dans un semblant de Pyro HQ. Une espèce de preview de ce que pourrait être ce Pyro HQ. Pyro HQ qui, je le rappelle, est un espace dédié à l'équipe Pyrogène, mais également à la communauté e-sport. Est un espace dédié bien à l'e-sport. Pas uniquement l'e-sport et pas uniquement la communauté, mais c'est également un espace de travail pour Pyro, pour l'association Pyrogène. Et nous allons streamer de là-bas la DreamHack. La DreamHack Winter avec au programme de l'e-sport BF4 et je serai au micro avec Célé pour aïe, ça fait mal ça, avec Célé pour vous commenter les matchs avec bien il y aura apparemment hein, je ne vous spoil pas tout, mais il y aura des invités. Je ne vous dis pas encore qui il va y avoir puisque moi-même je ne le sais pas encore, mais voilà, stay tuned comme on dit, restez au courant. Parce qu'il va y avoir vraiment de chouettes choses qui vont se faire ce week-end. Et j'espère ne pas me faire buter. Voilà, donc ce week-end, n'hésitez pas, de toute façon, vous serez au courant. Vous serez tenu au courant via mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, blabla, tout ça. Vous connaissez, description aussi, tout dans la description. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Ah, non, ouais, c'est mauvais. C'est mauvais, je fais une mauvaise partie. Oui, ben ça arrive quand on fait du live commentary. Il faudrait que je prenne une arme peut-être plus adaptée au style de jeu. Je vais prendre la EK qui est idéale dans ce format-ci.
pour du combat plus rapproché. Alors la EK par contre à distance, vous oubliez, c'est nul, c'est vraiment nul. Donc ce drapeau on l'a. Oui, j'ai effectivement des difficultés à me concentrer et jouer en même temps. Alors, je vous le disais, l'AEK à distance c'est caca, AEKK. Voilà, petit double kill qui fait plaisir là où ça passe. Et ça passe par chez moi, donc c'est chez moi que ça fait plaisir. Oui, oui messieurs. Alors, qu'avons-nous dans ce bâtiment? De la campouse? Non, pas de la campouse. Par contre, moi, je vais aller me mettre en haut parce qu'il me semble qu'il y a des gens là en bas. Ah, bon, bah, d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver. Donc ce week-end, je vous tiendrai bien évidemment au courant de tout ce qu'il va se passer. N'hésitez pas non plus à suivre Pyrogène pour plus d'informations concernant la DreamHack. Les AA BF4 seront de la partie, une des deux équipes francophones, la deuxième étant les Western Digital, si ils sont toujours invités, il me semble que oui. Je fais du caca, alors je vais prendre M416 parce que voilà, c'est une valeur sûre. Et là il y a plein de monde, il va falloir pas se louper. Je fais un premier kill, c'est très très bien de la part de Neometrix. Neometrix, hein, je le rappelle, pas Neometrix. Bon, bah, en fait, j'aurais peut-être dû jouer fusil à pompe finalement. Bon, ce serait peut-être bien qu'on remonte un petit peu. Je pense que j'ai été réanimé. Oui, il me reste 20 HP, donc je pense que j'ai été réanimé. Il faut aller sur le flag pour le prendre, c'est mieux. Alors le problème c'est que là je suis en train d'enregistrer avec Fraps, mais j'ai beaucoup de baisse de performance. Ah bah c'était mignon, lui aussi il a une grosse putain de baisse. Non, je ne m'énerve pas, vraiment pas du tout, ah oui c'est vrai, on ne peut pas déployer sur les drapeaux puisque c'est de la domination. Comme dirait certains, j'ai un peu le cancer. Alors il y a du monde sur le B, petite grenade préventive qui ne paye pas. Voilà, ça ça paye. Ah bah il aura quand même fallu attendre une demi-partie avant d'avoir une bonne action. Et voilà, j'ai fait le ménage sur le drapeau. Ah bah attends. Ah. Oh putain. Oh ce 9-3R. Oh il est magique. Aïe. Ah lui aussi il est magique. Lui aussi il est magique. Bon bah oui, c'est ce que je disais, il aura fallu attendre un petit bout de temps avant d'avoir une plutôt bonne action. Alors, tue-le, s'il te plaît, voilà. Non, oh bah, je peux pas spawn. Non, je peux pas spawn. Non, je peux pas spawn. Voilà, je pense que je porte malheur à mon équipe. Vraiment. Hey, je vais spawner sur toi. Ah non, t'es mort. Alors sur toi. Ah non, t'es mort aussi. Alors sur toi. Ah non, t'es mort aussi. Ah bah, ça c'est mignon. Ça c'est vraiment mignon. Bravo, bravo. Hein, bravo. Moi je dis GG. GG, GG Roger. T'es vraiment très... Voilà, lui, il va nous être utile. Mais genre bien plus quoi. Mais d'accord. Alors le problème aussi c'est que les comment dirais-je, les pistolets sont très très lents à sortir. Alors toi au revoir, toi au revoir. Toi eh bien d'accord. Alors on peut pas tous les avoir hein. Attrapez-les tous les ennemis. Il faudrait qu'on défende B, mais alors si toute mon équipe est décidée à camper, je pense que ça va pas le faire. Bouge. Oh merde. Oh pff. Nul. Grenade préventif. Bon,
Ouais, il faut avancer, il faut aller prendre le point parce que sinon ça va pas le faire. Avec moi, allez, on prend le point, on prend le point, on prend le. Ah, merde. Toujours passer par la porte, la fenêtre, ça, le cancer. J'aimerais bien qu'on la gagne cette partie, histoire de vous montrer une partie où je gagne. Ça m'arrive assez souvent de gagner, et donc ça m'embête un peu de vous montrer une partie où je perds. Du coup, c'est un petit peu pas cool, hein, vraiment. Oh, ça, c'était pas cool non plus. Allez, tiens, ça c'est gratuit, c'est la maison qui paye. Voilà, voilà, merci bien. Ah bah ils sont combien ici? Je pense que j'ai fait le ménage, hein. Je pense. En fait, le, bah oui, voilà, hein, le principe ici sur cette map, c'est de rester dans les maisons. On se croirait un peu sur Bad Company 2, en fait. Bah, je pense qu'elle a, elle a un peu cassé ma maison, là, d'ailleurs. Du coup, il vaut mieux ne pas rester dedans, contrairement à ce que je disais précédemment. Ah, bah, en fait, finalement, j'aurais peut-être dû rester dedans. Mais vraiment, peut-être. Bon, bah, voilà. Je vous démontre bien hein, que j'arrive très souvent dans des équipes qui ne m'aident pas beaucoup. Du coup, je fais un peu les games tout seul, comme maintenant. Mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Et mon équipe qui est en train de se faire mais torcher la gueule, mais histoire de bien rigoler. Se faire torcher la gueule, histoire de bien rigoler. Ça voulait absolument rien dire. Alors, il y a du monde là en haut. Ah, j'ai touché quelqu'un dans la maison. C'est déjà ça. Il doit être en haut, hein. Les petits amis. Ah bah voilà, il est en haut. Il est en haut, je le sais, je le sais. Je le sais. S'il te plaît. C'était gratuit. Ok, donc lui il voulait pas mourir. Hein. Ok, ah oui, Minerf, ils sont où mes alliés? Putain, ils sont où mes alliés, bordel de merde? Ne pas rager, hein. Ne pas rager. Oh putain, c'est pareil, sérieux. Et voilà. Et bah non, pas voilà en fait. Putain, j'ai vraiment une équipe de merde. Enfin, je m'en fous, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, je ne rage pas du tout. Vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, j'ai vraiment une équipe qui sert à rien. Si moi je fais pas le kill, bah lui il va pas le faire. Hein. À faire le kill, ça va pas le faire. Ouf. Oh, ce que je lui ai mis. Oh, ce que je lui ai mis. Excusez-moi, j'ai un kill à faire. Oh, bah merde. Ah, GG. Ah, il m'a bien brain le mec. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je suis bon perdant. Hein. Je félicite ceux qui sont meilleurs que moi. Tous ces gros fils de pute. Lui aussi, hein, gros GG, gros campeur. Voilà, bon bah écoutez, j'espère au moins que la partie vous a plu. Moi en tout cas, je me suis plus ou moins marré. En tout cas, je vous dis bye bye. N'oubliez pas, le week-end prochain, week-end du 30 et non, du 30 novembre, 1er décembre, pour la DreamHack, je serai avec Celeborn. Pas au Pyro HQ, mais dans quelque chose qui y ressemble. Voilà. Moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut salut.